Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour du carême. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Marc, chapitre 6, le verset 7. Et c'est justement à partir de ce verset jusqu'au verset 44 du chapitre 6 de Marc que nous allons nous baser pour notre méditation ce matin. Rien de tel qu'une nouvelle initiative pour faire monter l'adrénaline après un revers, et l'incident de Nazareth est vite réduit dans l'esprit de Jésus à une petite difficulté locale, alors qu'il inaugure une nouvelle phase significative de sa campagne avec l'envoi en mission de ses 12 disciples dans sa petite armée révolutionnaire de l'amour de Dieu. L'envoi des 12 est remarquablement bien organisé et précis. Il n'y a pas d'indécision. Chaque éventualité est prise en compte dans une opération bien pensée qui aurait fait la fierté d'un commandant militaire. C'est cependant une tâche exceptionnellement difficile, et on peut dire que ce point marque la maturité des disciples. Ils savaient maintenant à quoi ils s'étaient engagés. L'époque où l'on se pavanait avec suffisance à la tête de la procession de Jésus est révolue pour de bon. L'entrée des disciples dans n'importe quelle ville doit être considéré comme un acte prophétique, symbolique, qui apportera soit une bénédiction, soit un jugement sur ses habitants. Ils doivent simplement aller dans une ville, un village ou une maison, installer leur état des voir qui se présente. Partout où ils ne sont pas reçus, les 12 doivent secouer la poussière de leurs pieds. Il n'y a pas de place pour les secondes chances. Ceux qui claquent la porte ont eu l'occasion d'entendre la parole salvatrice et l'ont rejetée. Jésus les rejette maintenant, c'est ça. La bonne nouvelle est que, entre les mains des 12, l'autorité de Jésus sur les esprits impurs doit être étendue aux quatre coins du pays. Les disciples eux-mêmes sont comme des extensions du propre corps de Jésus, se déplaçant à travers le pays, parlant, annonçant, touchant et guérissant. Si la Pentecôte est considérée comme la naissance de l'Église, alors l'envoi en mission en est sa conception. Ici est déjà en place le mécanisme par lequel chaque personne qui vient appartenir entièrement à Jésus est refaçonnée pour étendre son œuvre à travers le temps et l'espace jusqu'à la fin de la création. Le Saint-Esprit insufflera une nouvelle vie à ce mécanisme. Et Paul nous l'expliquera lorsqu'il écrira ses lettres à l'église de Corinthe. Mais le concept est formé. Tout est maintenant en place. Le concept d'extension se poursuit lorsque les disciples reviennent de leur première sortie réussie. Ils reviennent exaltés par cette première expérience de mission avec le pouvoir de Jésus leur maître. Mais lorsqu'il les met au défi d'appliquer leur nouveau pouvoir dans des circonstances différentes, ils ne parviennent pas à faire le lien. Épuisés par leur semaine sur le terrain, les disciples sont invités par Jésus à venir avec lui pour se reposer et se rafraîchir. Malheureusement, la foule en avant et connaissant tous les raccourcis, ils viennent les saluer à leur arrivée. Jésus ne peut pas se fâcher avec eux. Ce ne sont que des personnes si avides, si désireux d'en savoir plus et si perdues et sans chef. Ils sont vulnérables. Il n'a pas d'autre choix que de s'installer dans un autre cours d'enseignement, ses disciples à ses côtés. Après la session d'une journée, les disciples fatigués en ont assez. Ils regardent
ostensiblement leur montre et suivent toutes les distractions auxquelles ils peuvent penser. Finalement, c'est le souci du bien-être de la foule qui apparaît comme le meilleur moyen de ramener à la raison leur infatigable professeur. La foule doit avoir faim maintenant, et les deux suggèrent que Jésus renvoie les gens pour qu'ils aillent chercher un repas. Jésus renvoie aussitôt l'affaire devant eux. Ils doivent cesser de se tourner vers les autres pour les renflouer. Ils ont la clé. Donnez-leur vous-même quelque chose à manger, leur dit-il. Pourtant, ils parlent d'aller s'approvisionner, cherchant toujours des réponses à l'extérieur. Mais Jésus les instruit patiemment en les rappelant toujours à eux-mêmes et aux ressources dont ils disposent. Aussi maigres qu'elles paraissent, elles suffisent à Dieu. Il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs, car Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Une question pour nous ce matin. Quand est-ce que j'essaie de passer à une autre responsabilité pour les choses que Dieu veut que j'entreprenne avec mes propres ressources? Quand est-ce que j'essaie de passer à une autre responsabilité pour les choses que Dieu veut que j'entreprenne avec mes propres ressources? Prions. Père, par la puissance de ton esprit, que mes mains soient les mains de Jésus pour apporter au monde ta bénédiction et ta paix. Amen.